amoureux du patrimoine. Bonjour et bienvenue à la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Nous allons vous présenter ce joyau orléanais et cette histoire sera ponctuée d'anecdotes croustillantes. Mais ne perdons pas de temps et allons-y. Oui, ne perdons pas de temps. Mais d'abord, présentons-nous. Nous sommes Marin et Bernard. Bernard, c'est lui et Marin, c'est moi. Nous sommes frères et créateurs de contenu sur l'Internet. Mais attends un peu, tu n'as pas le monopole de la voix off. Dans cette vidéo, vous découvrirez la cathédrale de Fontencombe, du calorifère à la terrasse des tours. Tout ceci expliqué par Henri, le sacristain et grand maître des clés. Nous commençons la visite et voici ce que nous voyons. Et on se trompe déjà de chemin. C'est pas la faute d'Henri, hein. C'était pour nos prises. Un petit point d'histoire d'abord, ça n'a jamais tué personne. Cette cathédrale a vu jour en 375 avec Evert, alors évêque d'Orléans, qui l'a fait construire. D'abord de style gallo-romaine, puis romane, et enfin gothique. Tous les rois de France, de Henri IV à Charles X, participent à sa construction. Il faut dire qu'Orléans, c'est la ville royale par excellence. C'est normal qu'ils y mettent un peu de flouze. D'ailleurs, lors de sa première construction, elle a reçu sous ordre de l'empereur de Rome des fragments de la croix du Christ, d'où le nom Cathédrale Sainte-Croix. Et ses reliques sont disponibles à l'achat. Non, disponibles à la visite. Et ce n'est pas Wikipédia qui me l'a dit, c'est Henri. Henri-Kipédia. Henri, on peut parler normalement ou pas? Oui, on peut parler fort, okay. Se faire comprendre. Alors Henri, la cathédrale appartient à l'État, il l'entretient, mais qu'est-ce qui fait vivre aussi la cathédrale? L'église n'est que affectataire de la cathédrale, elle a la possibilité de réaliser tout ce qu'elle veut à l'intérieur, pour le culte, à la condition qu'elle reste ouverte, c'est la clause des monuments historiques, mais ce qui la fait vivre réellement, donc c'est des subventions de l'État pour les constructions, pour l'entretien surtout des choses très coûteuses, toiture, électricité. Là récemment, il y a 2 400 000 euros qui viennent d'être investis par l'État pour refaire l'intégralité des circuits électriques. Ce qui rapporte aussi de l'argent à l'église pour son fonctionnement à elle, c'est les dons des paroissiens au diocèse, les quêtes, mais aussi dans la cathédrale, la ciergerie, puisque les gens en achetant une bougie vont en fait donner de l'argent à l'église et vont pouvoir payer les salaires des personnes qui travaillent ici ou même le nécessaire pour pouvoir réaliser les messes. Donc en quelque sorte, on a vraiment besoin des gens aujourd'hui pour préserver le patrimoine. Les gens sont les premiers acteurs dans la préservation du patrimoine, que ce soit pour les églises, que ce soit pour les châteaux. Et en fait, en visitant, chaque personne fait un geste et contribue à préserver des monuments qui ont plus de 600, 800 ans, voire 2000 ans pour certains édifices religieux en France. Merci les gens. Merci beaucoup. Et donc les Henri, gens. Où est-ce qu'on va après? On va là où on se réchauffait à l'époque, là où on produisait de la chaleur, dans le calorifère. Allons-y au calorifère. Donc là, Henri, on est au calorifère. Exactement, là, on est en train de suivre en fait le parcours que prenaient les employés pour allumer les feux dans les fours et créer de la chaleur pour chauffer la cathédrale. On est aussi en train de marcher à l'extérieur de la cathédrale romane sur un sol qui a été refait d'une petite couche de ciment. Mais à l'époque, on marchait ici à l'extérieur de la cathédrale, c'est-à-dire qu'on était au niveau de la ville, qui a augmenté depuis, et on contournait la cathédrale romane, qui en fait se concentrait sur le cœur de la cathédrale actuelle. Une fois que le charbon arrivait ici, on pouvait le déverser de part et d'autre, pour ensuite l'enfourner dans les fours, à l'aide de ces petites brouettes. Donc là, le charbon arrivait là-dedans? Exactement. De l'extérieur? De l'extérieur, sur le bord de la rue, il y avait un soupirail, et on enfournait le charbon. Et après, dedans. Il prenait les... Et ensuite, il faisait pencher cette brouette, et en fait, ça déversait dans des petits tas. En forme de pyramide. D'accord. Et eux, les ouvriers, ils étaient à ta place. Ouais. Et avec une pelle, en fait, ils balançaient directement dans les fours. D'accord, ok. Pas mal. Et donc ce système, il a été... ce système, il a été mis en place dès la fin du 19e siècle. Et il a été arrêté aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Ok. On remonte? On remonte. Bah allons-y alors. Nous sommes à peu près tous entrés dans une cathédrale ou un autre lieu historique. Mais le plus impressionnant, c'est lorsque l'on s'imagine que ici même en 1429, Jeanne d'Arc est venue prier après avoir délivré Orléans. On y raconte même que le général de Gaulle est passé par là. Maintenant, prenons un peu de hauteur, direction les tours de la cathédrale. Pour y accéder, plusieurs chemins sont situés sur les flancs gauche et droit de la cathédrale. Sur le trajet, nous sommes impressionnés par la beauté de la flèche. Figurez-vous que c'est le même architecte qui a construit celle de Paris. Le fameux Viollet-le-Duc. Et donc là, Henri, c'est la flèche, tu peux nous expliquer un petit peu son histoire? Oui, elle a été érigée en 1858 par la même équipe de Compagnons du Devoir que celle de Paris. Et la petite anecdote croustillante, c'est que les Compagnons du Devoir ont demandé à n'avoir du saumon qu'un seul jour par semaine.
parce qu'il y avait tellement dans la Loire qu'ils devaient en manger tous les jours de la semaine et n'avaient jamais de viande. Avec un peu de vinaigre d'Orléans du coup ? Je ne sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle a été détruite, cette flèche, par les protestants pendant les guerres de religion sous le prince de Condé. Elle a été ensuite érigée au début du XVIIe siècle et menacée de s'écrouler à cause du poids des cloches. Elle a donc été encore à nouveau démontée pour être reconstruite finalement en 1858 par l'équipe de Viollet-le-Duc. Est-ce que celle d'Orléans a été créée en premier ou alors celle de Paris a été créée en premier ? Si on écoute les Orléanais, celle d'Orléans est un an plus jeune que celle de Paris. Si on écoute les Parisiens, la flèche de Paris est plus récente. Mais la question n'est évidemment plus vraiment d'actualité. C'est une bataille de clochers finalement. Orléans, meilleure ville de France. On continue, allez ! Sacré Henri ! Ah oui, j'oubliais. On va passer par la forêt d'Orléans. Attention, c'est pas une vraie forêt. C'est tout ce qui constitue la charpente. Celle qui a brûlé à Paris, par exemple. Ici, celle d'Orléans, c'est à peu près la même. Nous allons voir ça. Alors là, Henri, c'est une poutre. En effet, une poutre qui a plus de 200 ans, qui provient de la forêt domaniale d'Orléans, et qui a été mise en place avec toutes les autres dès le début de la construction de la cathédrale, c'est-à-dire au tout début du XVIIe siècle, lorsqu'on a achevé en fait la dernière partie de la cathédrale gothique, néo-gothique. Et combien d'hectares de forêt pour cette... Excellente question, c'est une excellente question. Il y a plusieurs forêts qui ont contribué à apporter des chaînes immenses, robustes, sans nœuds, la caractéristique principale pour former des poutres solides et pouvoir agrémenter cette charpente qui fait plus de 150 mètres de long et qui est mise en place depuis plus de 200 ans. Et là, Henri vient de me dire que nef, c'est un ancien mot pour dire bateau. Et on peut remarquer la forme. C'est un bateau retourné, la forme de la nef, donc. N'est-ce pas, Henri ? Exactement, un bateau retourné, d'où l'ancien français nef. C'est ce que je viens de dire. Et on continue. Allez mes amis, nous sommes sur la terrasse de la cathédrale. Hauteur des tours, 88 mètres. À titre de comparaison, Notre-Dame de Paris, c'est 69 mètres. Nous leur mettons 19 mètres dans la vue, mes amis. Hauteur de la flèche, 114 mètres. Celle de Paris faisait 96 mètres de hauteur. Et en longueur, la cathédrale, c'est 140 mètres, c'est l'équivalent de 1,1 terrain de football. Et chose intéressante, c'est le seul point d'Orléans où on peut voir deux centrales nucléaires en même temps. Saint-Laurent-en-Nouan et Dampierre-en-Burly. Si ça explose, on est en plein milieu. Et là, bientôt, le prochain Apple Store d'Orléans. Ça va être énorme. Non, je plaisante, c'est une fake news. Ne croyez pas tout ce qu'on dit sur Internet. Il faut savoir que dans la tour nord, il y a toutes les cloches. Dans la tour sud, il n'y a pas de cloches. Les cloches, elles sont au nombre de 5. Dont la plus grande, le bourdon Sainte-Jeanne d'Arc. 5980 kilos, très exactement. Tu peux pas dire 6 tonnes comme tout le monde ? 6 tonnes ! Depuis 1945, le bourdon, lors des bombardements le 23 mai 1944 par les Américains, a été fêlé. Depuis ce jour et jusqu'en 2012, le bourdon ne faisait aucun bruit puisqu'il était en réparation et en refonderie. Il a été descendu uniquement en 1972, plusieurs années après la Seconde Guerre mondiale, et qu'il soit fêlé pour être reconstitué et restitué à la cathédrale en 2012. Comme tu viens de le dire. C'est impressionnant. Mmh. Continuons. On va faire un bon plan de ces deux bonnes tours. C'est une belle bâtisse, hein. Tu savais que le mot cathédrale vient du mot cathèdre, siège de l'évêque, évidemment. C'est un peu le siège de l'évêque, finalement. Petite info qui a toute son importance, j'ai perdu mon... Bah, allez, viens, maintenant, on va voir l'orgue. Quelque chose d'important pour la messe. J'ai envie de vomir. Le fameux orgue qui est utilisé pendant les messes, donc, quand on joue de l'orgue. Et on est juste au-dessus de la nef. C'est ainsi que se termine ce reportage sur le parvis de la cathédrale, centre névralgique de la ville d'Orléans. Parce que c'est ici, pendant les fêtes joanniques, il y a la tribune officielle par exemple. Merci Henri pour ton visite. Henri. Très intéressante. A bientôt, j'espère. À bientôt. Salut Henri. Bah oui, salut Henri. De votre côté, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou un j'aime. Nous nous retrouverons pour d'autres surprises. A très bientôt. Allez, tu marches bientôt. Dans l'eau. Moi aussi. On vient juste de se manger cette plaque. Allez, salut.